Alors, on est parti de Saint-Vincent-les-Forts. C'est-à-dire qu'à la station de ski, on a pris le télésiège qui nous permet de monter à mi-hauteur de la station de Saint-Vincent-les-Forts. On a décollé de là-bas, on a survolé les crêtes au-dessus de Saint-Jean, au-dessus de Saint-Vincent-les-Forts. Et ensuite, on est allé au Grand Bourgon en traversant l'Ubaye. Et là, on a survolé le Grand Bourgon, on a vu des planètes, tout ça, là, on va venir un peu plus loin. Et après, on s'est posé à Saint-Jean-Montclar. Voilà. Et à Saint-Jean-de-Montclar, parce qu'on était trop court pour remonter à Saint-Vincent-les-Forts. Quoi. Oui. Voilà. Donc, on a vu des planeurs, on va voir, enfin j'espère dans les vidéos suivantes. Là. Parce que là, je me filme tout le temps comme ça, quoi, toi. Mais bon, après, ouais. Ça va changer. Hein. On change de film. Ouais. Le deuxième ou... Ouais, on va voir si j'ai corrigé quand même. Puis j'ai germé là aussi. Oui. À un moment donné. Là. Oh, au Grand Bourgon, à force de tourner, virer en volant, et tout, là, ça. Puis on était secoués comme ça. Bah, un petit peu quoi. Enfin, il est habitué, il me dit une fois sur deux ça m'arrive, t'inquiète pas. Ah bon. Il me dit ça va, Domi, à un moment donné, à force de dire oui, à un moment donné, putain, ça n'est plus. Il me dit ça va, Domi. Et je dis c'est un peu limite là, toi. D'un coup, je commence à roter, moi je le sais ça, toi. Oui. Mmh. À un moment donné, alors il me dit, tu me dis, hein, quand tu gerbes, tu me le dis, qui tourne pas dans le sens. Putain, j'ai dit, là j'y vais. Ça dans le bon sens. Putain, j'ai levé le bras comme il m'a dit. Mais après, ça allait bien et tout. Il me dit, on va rentrer si tu veux. Bah, je lui dis, non, là ça va. Ouais. Bon, il me dit, alors on va continuer. Alors, puis tu me dis si ça va pas. Il me dit, après on rentre. Tu n'as pas sali les ah bah un petit les peu, quoi, un petit peu. Alors ben, après, en se posant à Saint-Jean-de-Montclar, j'ai dit, il n'y a pas de quoi laver. Ben, il me dit, si, il y a une fontaine là-bas. Ouais. J'ai pris la sellette, toi, là où j'étais assis, puis je suis allé la laver. Ouais. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup. On va m'appeler Vomito, moi, putain. Entre le parapente... Et le catamaran. Ouais. Alors, ça, c'est vrai, c'est le lac de Savine. Ah ben, ça, c'est le lac de Savine, de Serpenson. Ouais. On voit bien, super. Génial. Putain, bah alors, c'est fois, beau, hein, on tout me ça. Filme, mon Dieu, je me filme à chaque fois, quoi. Allez, systématiquement. Non, parce qu'après j'ai corrigé. Alors j'espère qu'on va voir les planeurs parce que là c'était magnifique. Ils passaient juste dessous là, tu vois. Et, et après il y en a qui passent juste au-dessus. On les voit là, non? Ah. Ouais, voilà. Superbe, c'est l'éclat. Ah merde, c'est un tout petit film. Ouais, alors j'ai bugué. Ouais. Ouais. Il y a des fois je savais pas trop. Alors, tac. Et comme je t'ai dit, j'ai pas pu contrôler parce que. Limite, ah là j'ai corrigé. Ouais. Là. Tu vois les crêtes là, regarde, on est monté plus haut et tout là. Alors ça me faisait, comme j'ai dit, une impression qu'avec un rien, tu... Comment ça? Avec un rien, tu survoles les montagnes, tu survoles... Oui, avec juste un parapente, quoi. C'est avec pas grand-chose, quoi. Tu te dis, putain, c'est génial. Ah ouais. C'est génial, c'est vrai. Putain, ça me donnerait bien envie de faire un stage, quoi. Tu vois. Ah ouais. Ma collègue, elle me disait, tu veux pas faire un stage? Ouais. Ah, je dis, ouais, mais si je me lance là-dedans... Alors, j'entends des gens, il est pas très... Ouais. Parapente. La moto. Bah, c'est ça, ouais. La marche, qu'est-ce que tu fais aussi? L'apiculture. Bon, encore l'apiculture, ça rapporte un petit peu. Ah ouais. C'est grandiose. Mais ça, je pourrais lui. Toi, ces crêtes, là, il me l'avait dit, mais je pourrais lui redemander, quoi, toi. Ouais. Oui, voilà, les noms, hein, au fur et à mesure, ça serait bien de pouvoir mettre des flèches pendant le film. Et puis, attends, qu'est-ce que je vais te dire? C'était quand, ça, au fait? Marc, on doit le savoir par les vidéos. Ouais, c'est marqué la date, la date de la vidéo, ouais. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Elle me dit, tu prends une polaire, tu prends une veste, un coup de vent, des gants. Ouais.
Et t'avais pas froid, quoi, t'as jamais. Bah, tu sais, quand on a pris l'altitude, là, la veste, je te garantis, je l'ai fermée jusqu'en haut. Ouais, vous êtes monté à combien d'altitude? Plein mois d'août. D'altitude. Vous êtes au-dessus du Morgon. Voilà, et bien là, il y a un moment donné, on y a été. Là. C'est lui, le Morgon? Ouais. D'accord. Et, ouais, à quelle altitude, grosso modo, vous étiez, je ne sais pas. Plus haut que le Grand Morgon. Thermique de plaine, quoi. Ouais. Là, c'est beau, là. Et un autre parapente, là-haut. Ouais, ce serait marrant s'ils m'entendent dégueuler. C'est genre... Pourquoi? Ce serait marrant, hein. Ouais, t'as vu, ouais. Mais par contre, avec la GoPro, tu sais pas trop ce que tu filmes. Ça va qu'il y a un grand angle et ce qui fait pas. Heureusement que ça, toi, ça corrige parce que toi, là, je suis content. Pour ça, parce que j'en ai une au rallye et j'ai du mal à l'utiliser. Et ça, c'est un collègue à lui. Là, qui un collègue, oui. Je l'ai filmé, toi. T'as vu comme ça va vite? Ah, ouais. Vous rapprochez vite. Hein. Ah, ouais, ouais. Alors toi, ça donne un peu le tournis, toi, parce que parce qu'il a enroulé les thermiques, tout le moment, il remonte, toi, le truc, c'est ça, vrai. Quoi. C'est vrai. Et puis toi, t'es face au vide, quand même. Ah ouais, hein. Ouais. Ah bah, t'es penché. Ben, en fait, t'es là, tu vois le vide, quoi, toi, au début, je regardais l'horizon, je te jure, j'avais le vertige, je te crois. Il y en a qui disent, ouais, mais quand t'es pas relié à la planète... moi, tu sais, je suis un peu comme ça. Quoi. Donc, Mais après, j'ai fini par m'y habituer, puis je prends du plaisir à regarder. Ouais. Quoi, après, Puis, je sais pas, t'as que un nez qui te tient. C'est ça. Il faut pas. Ouais. Faut pas que ça pète, quoi. Non. Hein, tu te dis pour qu'il n'y ait pas une couture qui déconne. C'est ça. J'espère qu'on voit les planeurs. Parce que là, non. Voilà. C'est par là que j'ai gerbé, quoi, toi, à force de tourner. Ça, c'est le Grand Morgon, là. On est descendu plus bas, parce qu'on a descendu, toi, pour y aller. Oui. Et après, il dit, si au pire, on n'arrive pas à remonter, ben, on se pose là. Voilà. Ah oui, et après, comment il ne sait pas trop où il va se poser. Putain, vous êtes pas loin, là. Il y a un moment donné, on s'approche même plus que ça. Hein. Oui. Et c'est là que tu vois quand même que tu files, quoi. Tu vois la falaise, tu la vois arriver vite. Tu gères, voilà, non? Non. J'aimerais bien, ce serait rigolo si je me filme à ce moment-là. Mais... C'est génial tout ce que tu fais, là. C'est bien. C'est bien, je me régale à monter ça. On tient là, je crois, non? On tient là? Ah ouais? C'est quoi qu'on entend? C'est le grincement des sangles ou la respiration? Ça, c'est la caméra. Je sais pas. C'est le vent, peut-être. C'est le vent, ouais. Alors là, par rapport à la marche qu'on avait faite, nous, on était tout en haut, là. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le côté abrupt. On avait fait les crêtes, là. Ouais. Alors, attends. Merde, on voit pas le planeur. On va pas le voir. Ben, à un moment donné, on en a vu un au Morgon, là. Au Morgon. Mais il y a des moments... C'est fini là? Eh ouais, merde, on voit pas le planeur. Oh putain, je suis deg. Parce qu'il y a des moments, j'arrivais pas à savoir si elle était en route ou pas, quoi. J'avais pas mes lunettes et. Et voilà, il y a toutes ces infos. Putain, j'ai loupé. Moi, ouais, avec ma GoPro, pareil. Une fois, j'ai fait tout un film, et bien, c'était pas mis en route. Je la mettais en route pensant l'arrêter, tu vois. Ah, j'étais dingue aussi parce que là. Alors là, toi, on était parti d'en haut, on devait se poser là, mais il m'a dit on va être trop court. Du coup, on a fait demi-tour et j'espère que j'ai filmé au moins l'atterrissage. Et comment après il téléphone pour qu'on vienne vous chercher, non? Ben après j'ai appelé Lolo là, qu'elle vienne nous chercher parce qu'elle s'était bien posée là où il était prévu. D'accord. Donc elle est venue avec son bonbon nous chercher. Non, remarque qu'il ne faut pas de piste d'atterrissage, hein. Il faut un espace un petit peu dégagé. Remarque, c'est vrai, ici tu ne peux pas te poser. Hein. Ah ouais. Là aussi, peut-être. Des trucs comme ça, il peut se poser. Hein. Alors, par contre, je pourrais t'envoyer la photo de Lolo et la photo de Cyril. Oui. Avant décollage. Ah oui. Parce que.
Parce que. Bon, volant, je l'ai là. Mais toi, je l'enverrai. Ouais. D'accord. Parce que j'avais fait des photos, un petit peu des photos d'eux, quoi, que j'aurais envoyé, quoi, tu vois. Oui. Et je vois si déjà je l'ai sur mon téléphone ou si j'ai. Bon, il a le droit de faire des baptêmes, quoi, hein, parce que. Il n'y a pas l'atterrissage? Alors, apparemment, non. Hein. Oh merde! Ah, attends. Si, il doit y être, pardon. Ah, voilà. Oui. Alors, attends, plop. Et ça, c'est le variomètre. Ah, le vario. Qui descend. Ouais. Mais c'est une alarme. Voilà, des fois, tu l'entends. Ah, oui, d'accord. Le variomètre que papa m'avait fait faire. Ouais, je me rappelle de ça. Tu te rappelles? Dans une boîte à cigares. Là. Ouais. Là, tu descends, là. Là, on descend et on va se poser, on va se poser là, tu vois. Allez, ouais. Tain, on a l'impression que vous êtes au même niveau, là. Là, on voit votre ombre, ouais, c'est super. Et puis la piste, elle est courte, quoi, comme j'ai dit. Et puis, tu vois, il y a des fils électriques, hein, il y en a du 380, là. Ouais. En plus. C'est vrai, hein, faut faire gaffe, là. Parce que tu les vois pas, sinon. C'était pas... C'est pour ça qu'il y a toujours des accidents, parce que, bon... Tu peux être distrait. C'est fatal. Ah, là, il remonte, là, non? Ouais, il y a un moment donné. Il y a ça, tout ce qui tourne. Hein. Ouais, bah, tout ça, ça se pose. Hein. Le problème, c'est l'usine là-bas. Ah, hein, oui, d'accord. Tu vois? Oui, il y a ça également. Tu peux pas te poser en même temps qu'un autre. Et... Oh, ah, ça y est. Super, le parking, tout, ouais, c'est posé. Il faut. Et là, on s'est posé sur le cul. Ah oui? Ouais. Putain, les chaussures. Ça n'a pas fait mal? Non. Non? Ah oui, il maîtrise. Ouais. Ah si. Et la voile qui se pose. Ah, ouais, superbe. Génial. Mal au cul, mais ça va. Super. Ah, mais il en reste encore, oui. Ah ouais, ben j'ai dû filmer. Je crois que j'ai dû arrêter un bill. Ouais. Thank you.
Là, on a toujours un endroit là, à la hauteur du loco. Si tu prends le premier comme Lolo à la fée, voilà, c'est la galère. Ah ouais. Là, on est un peu dans la grande galère. De la braise. On va pas l'exploiter, on va encore le faire avancer.
pleine, quoi. Ouais. T'as un altimètre avec toi? Non, là non. Non, c'est un vario. Ah, d'accord. Là, tu vas faire des petits vols comme ça. Ça va, c'est pas trop. D'accord. Sacré vol, hein? Ouais, c'est pas mal, ça, hein? Ah, ben ouais. Ça n'a rien à voir avec les 10 minutes que j'avais fait, moi. Ouais, c'est clair. Je pensais pas voler autant, hein?